This is your story. Hey Mina, c'est Kyu-chan, et bien voilà, je vous retrouve pour un nouvel épisode de FF10. Nous sommes toujours en stream et nous allons aujourd'hui essayer de tenter les ruines de Mega. Alors évidemment, j'ai une armure sécurité, donc on va éviter de faire les ennemis, mais on va voir si je peux me faire les trucs qui s'y trouvent, hein, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a deux boss ici, et on va voir. Si je réussis à passer le premier, il y a peut-être une chance que je passe le deuxième, mais ça reste à prouver. Donc on va voir. C'est un gros test. Personnellement, moi, dans toutes mes runs, je n'ai jamais fait les ruines d'Oméga. À part pour du farm, mais j'ai jamais fait les boss qui s'y trouvent. Donc ce sera une grande première pour moi si j'y arrive. Faut les toucher les symboles? Sûrement. Ok. Il y a des trucs à faire en fait dans les ruines d'Oméga, parce que je vous avoue que comme je les ai jamais fait, je sais pas. Ouais, non, ça, les coffres à ouvrir, c'est une pure énigme, donc en plus c'est purement aléatoire. C'est pas que c'est une énigme, c'est que c'est purement aléatoire. Ah bah j'avais déjà dû le faire en fait, ok, c'est bon. Le mur, nope. C'est ça. Ouais, c'est ça, j'avais déjà dû le faire. Ok, il est là. Donc voici Ultima Arma. Bah on va voir, hein. Il est adorable. Oui, il est adorable. Je commence à maîtriser le combo. Bah bon, j'ai envie de dire on enchaîne, hein, de toute façon, maintenant on sait qu'avec combo je vais le buter, le Ultima Arma. Ah oui, il y a des combats ici, c'est vrai. C'est vrai, il y a des combats ici. Il y a des combats obligatoires ici. Il y a un coffre là. Je crois qu'on peut... Il y a un côté où il faut aller obligatoirement ou les deux côtés mènent au même endroit? C'est vrai que c'est un bon endroit pour la capture, pour le coup. Est-ce que droite et gauche mènent au même endroit? C'est ça la question, parce que c'est pas la peine que j'aille d'un côté si ça mène à un cul-de-sac en fait. Patraque? Je sais que Patraque s'y connaît un peu, donc...
T'as toujours pris à droite. Bah allons à droite alors. Oh, un tombeury! Oh, un tombeury! Ah, il a la roque une tenace, hein. Ah, il a la roque une tenace, hein. Pah, overkill. Too easy. Ah, on peut les fuir. Oh, j'avoue que ça peut être pas mal. Mais bon, honnêtement, si je les... Si je peux les one-shot avec comme ça... Oh, il y en a Van Cullen. Madame Cullen, elle est trop chou. Je la veux dans mon aquarium. Vu les dégâts que je fais, ça va passer quoi. Le problème c'est qu'ils sont blindés. Ils sont blindés, mais bon, vu les dégâts qu'on fait. Recpeu. Ça va, tu es bien rentré. Fin du game. Bonjour Diable! Ah non merde, c'est pas le bon jeu. Enough! Enough! T'as même pas ton mot à dire, dégage! À ce niveau-là, au rond, c'est même plus assez, c'est dégage! Ah ouais, mais il y a clairement un air de famille. Hein. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre, j'avoue. Ah, plus. Toi, je te déteste. Toi, tu peux pétrifier, je te déteste. C'est vrai que tu fais ça aussi. Putain, ils sont presque plus chiants que les autres, en fait, ceux-là. Vous savez quoi? Parce qu'en fait, ils sont presque plus chiants que les autres. Ouais, j'avoue que... Même le tombeury, il est moins chiant que lui, quoi. J'aurais jamais cru que je trouverais un ennemi plus chiant que le tombeury. Ouais, les morbols aussi sont chiants, surtout qu'ils commencent le combat avec infection. Merde, chaque coup je me fais avoir. Parce que le problème des morbols, c'est que quoi qu'il arrive, ils ont toujours l'initiative en fait. Et comme ils ont toujours l'initiative, ils commencent directement le combat par infection. Adamant Cullone, celle-là je peux me la faire sans problème. Je vais garder mes overdrive pour... Pour Omega. Un gros dragon tortue. C'est un peu ça, ouais. Je le verrai bien dans mon aquarium. Non, 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 justement, j'ai pas l'aquarium. Bah non, j'ai... Non, en effet, j'ai pas percé, puisque... Percé n'est pas sur l'arme ultime de Waka. Ah merde, par contre je me suis pas soigné. Bon par contre, bah, tant pis, on commencera le combat avec un méga élixir. Je viens de le faire. Si tu prends l'autre chemin, il y a un, coffre avec une sphère réunion. D'accord. On va commencer le combat avec un méga élixir.
Alors par contre, c'est là où on va un peu en chier, je pense. Parce que Omega, par contre, va être plus compliqué, clairement. Donc on va pas lésiner, hein. J'aurais peut-être dû me balancer booster avant de commencer. Tant pis. Alors attendez, je vais juste vérifier un truc. C'est quoi le pattern de... C'est quoi le pattern de la limite? Parce que je le connais malheureusement pas, celui-là. Zut. Ah, je peux pas le voir ici. Ah, fais chier. C'est haut, L1, bas, R1, droite, gauche, triangle. Ok. Merde! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Putain, je l'ai raté. J'y crois pas, j'ai raté la dernière. Oh, merde! Tant pis. Ouh, ça fait mal. Disons que c'est un peu ça qui me faisait peur. Non, ça va. L'attaque qui fait juste poc sur le monstre, c'est tellement ça. Combo avait bien marché sur Ultima Arma, donc retentons l'expérience. Bon, évidemment, Omega a beaucoup plus de HP, hein. Ah non, pas folie! Non, pas folie! Pas la folie! J'aime pas la folie! Ouh, j'ai pris cher! Ça, j'aime pas ça. Ça va, ça passe. Ça passe. Ah! Je viens de penser à un truc. Je viens de penser à un truc. Ce serait con d'oublier ça. Yeah.
Ah, c'est pas... Ah, c'est vrai, on avait dit que je devais invoquer Anima. Bah écoutez, on va invoquer Anima. Et puisqu'en plus, elle a son overdrive. Comme ça, on va voir à quel point... Parce qu'on avait... On avait été surpris de voir la taille d'Anima par rapport à Bahamut. Bah voyons la taille d'Anima par rapport à Omega. Share your pain with you. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Ah ouais, quand même! Ah bah écoutez. C'était juste pour voir. Alors par contre, si Anima la bute. Si Anima bute Omega Arma. C'est quoi cette prêtresse toute mimi qui invoque les enfers? J'avoue! Ok, donc Anima n'a pas tué Omega. Par contre, Omega va tuer Anima. Mais c'est pas grave, Anima aura quand même fait pas mal de dégâts. Et dire que fut un temps, Anima faisait des dégâts. Ouais, là j'avoue que Anima n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Ah, par contre, vu que je l'ai remplacé par Tidus, ouais, j'ai un petit souci. C'est que... Bon. Ouais, oui, j'ai pas entraîné Yuna, donc... Oui, c'est bon. Allez! Allez, combo, ça fait bien des dégâts, vas-y, vas-y! Ok, c'est pas suffisant. Je l'ai eu. Alors si Yuna survit à ce tour-là d'Omega, elle va pas y survivre. Elle va pas y survivre, je sais même pas si moi je vais y survivre en fait. D'ailleurs, au final, Omega, c'est... À part venir ici aux ruines d'Omega et tout, on sait pas grand-chose de ce truc, en fait. Hein. On sait pas grand-chose de ce truc, à la base. On n'a pas beaucoup d'infos sur Omega, je veux dire. À part qu'on sait que c'est un prêtre qui a quitté l'église. Enfin, je sais plus s'il a quitté ou s'il a été exilé. Je crois qu'il a été exilé, si je me souviens bien. Et que ça, et il est juste devenu haineux et tout. Et il a perdu son humanité, mais en dehors de ça... C'est ça.
C'est Lulu, c'est ma magicienne noire qui me balance ma balle. Techniquement, je pourrais jouer avec elle si je veux, mais elle est beaucoup trop lente, donc elle va se faire buter si je la mène au combat. Faut pas que j'oublie ça. En plus, il le fait sur lui comme par hasard. J'ai pas auréole. This is definitely bad. Oui, Kimari l'a appris à nouveau, oui. Je n'ai pas oublié de demander à Kimari de l'apprendre ce coup-ci. Enfin, ce coup-ci, j'ai pas oublié du tout, mais bon. Parce qu'il n'y a que ce monstre-là qui nous apprend l'éruption solaire, donc... Ok. Waka, il a encore un tour, il pourra soigner Tidus après. Ok, c'est bon, maintenant je le connais, l'overdrive éradication. Coucou Nezuko! L'ordre suprême aussi. Ouais, mais l'ordre suprême, je le buterai jamais. Enfin, faut jamais dire jamais, techniquement, mais bon. Non. Car. Ah non, pas car. Non, pas car. Je sais pas pourquoi je m'inquiète, hein, mais bon. Tant que c'est pas Ultima pour l'instant. En plein combat contre Omega, exactement. J'ai littéralement one shot Ultima Arma. Ultima Arma, c'est vraiment une petite bite comparée à Omega. Nucléosphère, j'encaisse.
Comment tu vas, Nezouk? Ouais, non, mais tellement, Ultima Arma, je l'ai buté avec un overdrive de Waka, un combo de Waka. Avec un combo de Waka, je lui marave sa gueule. Enfin, le week-end, moi je travaille demain, malheureusement, mais sinon ça va. Oh non, pas folie! T'es chiant avec la folie! Ouais, mais combo, c'est vrai que combo est tellement pété si tu le réussis. Il a pas encore balancé Ultima au passage. On va bien! On va bien! C'est bon. C'est déjà le troisième combo que Waka balance, hein. C'est la première fois de ma vie que je bats Omega. Je suis trop fière de moi. Je suis trop fière. Et en plus, ça fait pile le 33 minutes pour la vidéo YouTube. Ouais, je t'avoue que j'ai jamais essayé en fait. Hein. J'ai jamais essayé de faire Omega. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir revenir ici pour le coffre. Le pire, c'est qu'il va falloir revenir ici pour le coffre. Vous avez bien vu qu'il y avait un coffre derrière, hein. Mais ça va nous re-TP à l'entrée. Heureusement, on a toujours sécurité. Par contre, on va quand même sauvegarder, hein. J'espère qu'il y a un truc intéressant dans le coffre. Parce que franchement, nous TP à l'entrée alors qu'il y a un coffre, sérieusement? Maintenant, toi, tu joues tellement à des jeux modés que tu sais plus ce qu'il y a dans le coffre en vanilla, quoi. Bon, en tout cas, il ne me reste plus maintenant que les monstres. Il me reste plus que quelques monstres à capturer dans les ruines d'Omega. Et on aura tous les monstres ici. Puis après, j'aurai encore des monstres à capturer. J'aurai encore des monstres à capturer sur le sur Cine. Parce que oui, Cine, c'est l'ultime donjon, hein, techniquement. Enfin, pas techniquement, c'est l'ultime donjon. Et il me restera encore les purgatrices à faire. Parce que les purgatrices, c'est pas fini, hein. Bon, les purgatrices, ce sera pas pour tout de suite, hein. J'ai beaucoup de farm à faire avant. J'ai beaucoup de farm à faire avant. J'ai des armures à créer, donc j'ai des objets à farmer et tout. Donc voilà. Ouais, j'essaye de faire le 100%. Donc j'essaye de faire. Ben là, les ruines d'Omega, c'est fait. Les armes ultimes, c'est fait. Je sais pas. Je sais pas si. Parce que j'ai des trucs à faire dans la semaine aussi, malheureusement. Hein. J'ai des trucs à faire dans la semaine. J'ai déjà fait 4 monstres dans l'arène. J'ai déjà fait les 4 premiers monstres des zones complètes. Donc j'ai fait. Je sais même plus comment ils s'appellent. J'ai fait le gros piaf, là, le Strawberries, je sais plus quoi. J'ai fait Toki, j'ai fait le Maître Cougar. Et j'ai fait. C'était qui le quatrième? Ah, le Méga Morbol.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? J'espère pour vous qu'elle vaut la peine. Hein. Bon, en tout cas, pour YouTube, on va s'arrêter là. J'espère quand même que ça vous a plu. Comme ça, on aura fait les ruines d'Omega. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. Hein, venez rejoindre la communauté. Et moi, je vous dis ciao tout le monde!